Airport Insights. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous y attendez, le grand moment est bel et bien arrivé. Il s'agit de la grande croisade d'évangélisation internationale, la croisade dont le thème est Jésus guérit. Il y a deux orateurs, l'évangéliste Emmanuel Maëlin et le prophète Conan Marcel. En ce moment même, nous venons d'accueillir l'évangéliste Emmanuel Maëlin, à qui nous allons retirer quelques mots. Donc, suivez-nous. Bonjour Emmanuel, évangéliste Emmanuel. Bonjour. Voilà, vous venez d'arriver de la France, c'est bel et bien ça? Oui, tout à fait, je viens d'arriver de la France. Alors moi, je viens de l'est de la France, d'un endroit où en ce moment il fait très froid, puisque hier, quand je suis parti de chez moi, il faisait moins 1 degré. Donc ici, il fait 30 degrés, c'est un petit peu différent, mais je suis content d'être là. Voilà. Vous venez d'arriver, quel sentiment vous avez au moment où vous venez d'arriver pour la première fois sur le sol ivoirien? Alors en effet, c'est la première fois que je viens sur le sol ivoirien. Alors pas la première fois sur le sol africain, parce que je vais souvent en Afrique et en Afrique francophone plus particulièrement. Alors en atterrissant hier, le sentiment que j'ai eu, j'ai été surpris de voir le développement déjà économique du pays, et puis de voir aussi le développement qu'il y a au niveau spirituel, et puis surtout de rencontrer le pasteur Marcel Conan, qui est un homme exceptionnel. Et j'ai été surpris ce matin dans la voiture lorsque j'ai découvert un petit peu quelle était sa vision et quelle était sa mission aussi. Voilà, demain l'événement qui nous attend, c'est bel et bien la grande veillée dont le thème est Jésus guérit. Pour tous les nombreux fidèles qui vont se déplacer de tous les amours de la Côte d'Ivoire, quel est le mot fort que vous voulez leur adresser ce soir? Alors j'ai un mot fort à vous adresser, regardez-moi bien. Quand vous allez vous déplacer, je sais et je réalise que c'est un investissement que vous faites, parce que ça va vous coûter du temps, ça vous coûte de l'argent aussi pour venir. Certains, je sais que vous allez venir de petits villages et que ça va être difficile aussi pour les transports. Mais faites cet effort, vous ne le regretterez pas. Et surtout le mot que j'aimerais vous donner et vous laisser, vous les fidèles, vous qui êtes chrétiens, vous qui connaissez déjà le Seigneur, eh bien je vous lance un défi. Ne venez pas seul à cette grande croisade d'évangélisation. Prenez avec vous des amis, des parents, des personnes dans votre entourage qui ne connaissent pas bien le Seigneur, qui ne sont pas encore nés de nouveau, ou alors qui sont simplement religieuses, qu'elles soient, peu importe l'origine à laquelle elles appartiennent, demandez-leur simplement, écoute, est-ce que tu n'aimerais pas m'accompagner à cette grande croisade? Et puis non seulement vous allez leur proposer de venir avec vous, mais vous allez aussi trouver des solutions pour pouvoir les emmener avec vous. Et puis vous allez faire des efforts aussi financiers, en particulier pour leur offrir peut-être un repas et pour leur montrer que vous les aimez. Et pour eux, vous allez voir, ça va les toucher. Et je suis sûr que Dieu va faire de grandes choses demain, non seulement pour vous, mais aussi pour vos amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors je vous donne rendez-vous à demain soir. Amis internautes, nous venons de vous, c'était nous en exclusivité avec l'évangéliste Emmanuel. Nous vous donnons rendez-vous demain soir, ce serait en direct sur le 3fw.medencfz.net. Je vous remercie. Mais, ni à l'équipe, c'est quoi, grand-mère, quoi, hein? Nya, 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 ta, ça.
oni wa kwa demye wa kia teme mba kyo ama onguwa e fada ke ayi nyamye iaye na meme hey! Serio, 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 serio. Ma mi dien serio. Mi nyamie, wa pa genie, mami. Wa fa mi pa genie, na nyamie se. Ota, ota, yenti no. Obani fwane chitra na wasani o. So where mi kamu inina. Mi e yi me free ni. Je suis la personne de vie, la vie de la 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 vie
Timonya Yesu Liki kwanga fie fiesu Anyama na ule nye miyomi Liki kwanga mowa yo Et merci de rester fidèle à la Medin TV, la chaîne de la nouvelle naissance. La télévision en ligne sur le www.medincsv.net. C'est le moment tant attendu. Jour J, 6 décembre 2013, jour de la grande veillée internationale organisée par la Mission évangélique pour la délivrance des nations, en abrégé Medincsv, avec à sa tête le révérend prophète Marcel Kona. La place Jean-Paul II à Yamsokro-Grui de Monte parce qu'ils sont venus de tous les horizons. Toute la population de Yamsokro est mobilisée. Les 70 paroisses que compte l'église Medin Christ Source de Vie avec toutes les cellules de prière sont venues des villes, des villages, des campements et des hameaux pour vivre la grande veillée qui a pour thème Jésus guéri. Il y a aussi des délégations venues de la France, de la Belgique, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de la Guinée, du Mali, pour ne citer que cela. L'équipe de l'émission Le Grand Reportage se fera le plaisir de vous faire vivre en direct cette merveilleuse veillée. Excellente veillée à toutes et à tous, en direct sur la Medin TV avec votre servante Jeannette Nzi. Que le Tout-Puissant vous vive.
de Jésus. Je me rends sous chez Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord ce soir? Quelqu'un est d'accord ce soir? Que Dieu change sa vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Oui, hey. Faut dire que quelque chose va se passer. Des grandes choses vont se produire. Puis les changements vont s'opérer. C'est comme ça ta vie va changer au nom de Jésus. C'est comme ça ta vie va changer au nom de Jésus. Toi qui étais à la queue. Toi qui étais au ciel. Toi qui étais derrière. Toi qui étais au prié. Toi qui étais au dont les gens ont atterré. Dont le nom n'existe plus. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Yes.
Si tu vois la puissance de Jésus, balance la main. Alléluia. C'est que Jésus a aimé Dieu. Et Jésus m'a guéri. Jésus m'a aimé, Jésus m'a guéri. Je suis guéri aujourd'hui. Je suis guéri aujourd'hui. Car Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Ça fait combien de doigts? Ça m'a dit, elle m'a dit. Glorifié, ça veut dire que c'est deux. Glorifié, et ça fait combien? Couron, est-ce qu'il y a un couron? Il y a, c'est trois. Et ça fait combien? Zienda. Et c'est que la salle, c'est combien? Ça va tout à sa tombe. Mais aujourd'hui, les genoux sont guéris, nous sommes. Je
Jésus, mon gentil, y'a pas gagné.